La suite d'un si grand soleil se précise. Dans les colonnes de Télépoche, Hubert Benhamdine et Marie-Gaëlle Kahl ont accepté de se confier sur l'avenir de Cécile Alphand et Christophe Lemeur. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'il va y avoir du changement. À Montpellier, Christophe vient d'apprendre le départ d'Achille, Mathieu Rodriguez, qui va devoir suivre son père d'accueil à Lyon. Une nouvelle difficile à vivre pour le vétérinaire comme pour son petit protégé, qui devrait avoir un impact conséquent sur le couple formé par Christophe et Marie-Gaëlle Kahl. D'après l'interprète de Cécile, en effet, une fugue du jeune Achille poussera Cécile à remettre en question toute sa vie, au point de faire une demande très inattendue à Christophe. Tant qu'il manifestait sa désapprobation à l'idée de quitter Montpellier, Cécile le regardait comme un ado qui doit mûrir. Sa fugue lui fait prendre conscience du lien puissant entre lui et Christophe, explique la comédienne à nos confrères. Ça la bouleverse au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer et ça ravive aussi une douleur tapie. Elle se rend compte que son propre désir d'enfant n'est finalement jamais passé. Si est-il l'échec de sa vie et de son premier mariage avec Alain. Elle décide, sans calcul, mais avec un certain pragmatisme d'épouser Christophe dans le but d'adopter Achille qui la touche. Comme elle aime Christophe, elle va puiser en elle la ressource nécessaire pour trouver une issue positive pour son petit monde. Jusqu'au jour J, on ignore s'il va dire oui à Cécile pour Christophe, qui aime Achille comme un père. La proposition de Cécile sera l'un des moments les plus heureux de son existence, assure Hubert Benhamdine. Malheureusement, la réalité ne tardera pas à se rappeler à lui. Il va être happé par une nouvelle enquête au cœur de laquelle se trouve un chien, Ziggy, accusé à tort d'avoir tué son maître et condamné à l'euthanasie, révèle le comédien. Christophe, qui définitivement ne supporte pas l'injustice, va s'identifier au destin de ce chien et va vouloir le venger. Il est tellement perturbé que jusqu'au jour J, on ignore s'il va dire oui à Cécile. C'était très excitant de jouer cette intrigue qui navigue entre l'enfer et le paradis. Alors, Christophe Lemeur et Cécile Alphand seront-ils bientôt mari et femme? Réponse dans un si grand soleil, tous les jours du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.